T'es inadmissible, tu le sais ça? Oui, tu sais pas ce que c'est sa vie. Hein, tu es inadmissible, hein? Tu n'es pas possible, toi. Hein? T'arrêtes pas de gueuler. Hein? Allez, je remets, oui, j'arrive, oui. Regarde, allez. Oui. Allez, regardez, oh là là, oh là là, oh là là. Il aime pas que je joue avec lui. Oh là. Il veut pas se laisser caresser. Non, bon, il veut pas. Allez, on va se remettre dessus. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ceci est la dernière vidéo de Horizon Zero Dawn, je pense. À moins qu'il y en ait une autre après, bon, on verra. On va faire la mission, la dernière mission, donc le palais, le palais du soleil. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai misé, d'ailleurs, de tout. Absolument tout. On va tester nos armes. Absolument tout aussi. J'ai pas besoin d'en reparler. Voilà, bonsoir. Je sais que les vidéos, je les fais assez tard, je suis désolé aussi. Non, non c'est bon. Pardon de m'écrouler sur le mur. C'est bien là, non? Oui, c'est bien là. En fait. Ça, c'est le pavillon des chasseurs. Non, on va faire un petit coucou. Non, il est fermé. Il est fermé. Bonjour, la visite. Ok, ok. Bonsoir. On a tous notre place dans l'ordre des choses. Quelle feuille là-haut. Bien sûr que j'ai l'armure ultime. Hein. J'ai l'armure ultime avec moi. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. L'éclipse s'apprête à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur. Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. As-tu parlé à Marad, l'irréprochable? Ah, il faut parler à lui. Tiens, te... D'accord, ok. You. Ah, de toute façon, je l'ai sous le radar, de toute façon, donc... Il est là. Alors, je pense que vous connaissez le... Avec le projet, je pense. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy.
Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, à l'œil. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir, ou essayer. Ok. Bah, se reposer pour la finale, bien sûr. N'attendions pas. D'abord, j'aimerais sauvegarder avant, parce que j'ai pas sauvegardé. Voilà, là-bas, la sauvegarde. Ok. Quel dommage, mais j'ai pas sauvegardé. Bon. Il veut pas sortir. Bon. Pas grave. Il restera à côté de moi, du coup. Un petit chien. On est piégé maintenant. La seule issue, c'est la victoire. Bien sûr. C'est vrai? Donc tout ça, ça a été réparé. Ok. Mais je sais pas où ils sont, en fait. C'est pas dans mes archives, là? Si, si, ça va être dans mes archives, ça va être ça. Ouais, c'est ça, c'est ce mec et tout ça. C'est toute la cloque. La cloque. Ah, mais bougez-vous. Non, j'ai plus de piles. Oh, je crois que ça va tenir, je pense. Même pas je pense, j'en suis sûr. Je sauvegarde un bon petit coup. Voilà. Pam pam pam. Ouais. En tout cas, c'était bien quand même les trucs horizon. C'est pas mal quand même l'épisode. C'est le 51. Le tout dernier épisode. Et d'ailleurs, vous allez voir les crédits d'ailleurs. Alors, irréversible, oui. Bien sûr. C'est tous les derniers à chaque fois, donc. Je suis toujours prêt, moi. Voilà, repose-toi. Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Ok. Ok. Classe. Madame, bon, il bon. Y a des signaux à l'ouest. Doucement. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. Oui, oui, j'arrive. Je m'habille et j'arrive. Il veut absolument que je vienne. Voilà, c'est bon. Un peu me balancer à ce dos aussi. Pas bon. Enfin. C'est beau. Serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Waouh! C'est magnifico! Magnifico!
porte-mort dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Écoutez-moi, au canon! Maintenant! Bordel, mais allez-y! C'est trop tard, de toute façon. On attend vos ordres! Attention! Préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à savoir. Ce sont les plus puissants du jeu, donc oui, ils vont suffire, hein, c'est sûr. Je vois aucune arme qui peut résister à ça. Elise! Non! Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts! Aloy, non! On a besoin de ces canons! Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir! En même temps, je suis dur. Toi, tu me nargues depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse alors? Bah oui, en gros, il s'est pas battu contre moi dans la fosse. Je comprends pas, pourquoi monsieur. Pourquoi résistes-tu? Oh là, il m'énerve avec ces questions. Pourquoi résistes-tu? Pourquoi? Pourquoi es-tu là aussi? Tu veux comprendre ça? Il est trop dangereux pour approcher. Non. Il n'est pas trop dangereux pour approcher. C'est inévitable. Il est surtout faible. Je dois le repousser. Ah, bien sûr. J'espère que ça t'a fait. J'espère que ça t'a fait la mousse. Hop là. Moi, je comprends le plus. Il s'effondre. Ah ouais, il reste le temps encore. Aïe. Face à la terreur du soleil. Celle qui va t'anéantir. Oups. Oups. Je suis pas visé moi ou quoi? Oh mais... Ah c'est bon, ça je l'ai touché. Hop là. Toi tu n'es rien. Je suis sûr qu'avec 3 flèches je te résiste même pas. C'est juste que je suis pas visé, hein. Je suis pas visé du tout. Ah, le pont est détruit, ok. J'ai compris. Oh, ils sont deux contre moi. Encore manqué. Ah, d'accord, il résiste aux flèches, ce type. De toute façon, c'est une flèche de précision, ça, hein. Waouh, le mur qui protège le mec. D'accord. C'est une flèche de flèche, jamais. Ça n'a rien fait. Mais il va y passer quand même. Hop là. Oh bon, ça. Ah, je t'ai mis dans ta tête et t'es. Ok. Je comprends. Faut pas qu'il s'approche. Là. Voilà. Oh là là. Oh là. Je peux même pas le tirer des flèches, donc tu es bien bon, toi. Impossible. J'ai été choisi. Ce n'était pas écrit ainsi. Un mot de gentil. Ah, d'accord, je peux plus dire ça, moi. J'espère que ça fait mal, j'espère qu'il y en a... Tu es mort. Et maintenant, Hadès. L'ombre enfouie me sauvera. Je ne peux pas. Ah bah voilà. Bon, comparé à moi, tes objets sont nuls. Par contre, t'as 200, c'est pas mal ça. Reprenons ce qu'on a récolté. Voilà. Elle est bien fraîche. Ah, des potions. Bon, pas grave, j'en ai pas utilisé, c'est pas grave du tout. Aucun. Aucune pitié. Voilà. Ok, encore des potions, tyrolienne. Photo. Attends, fais voir comment t'es belle, attends. Je te vois comment t'es belle, attends. Bordure, qu'est-ce qu'il y a que... Ah, liqueur, ok. Comme ça. Petit logo. Noir et blanc, est-ce qu'il y a noir et blanc? Ça fait tellement bien, noir et blanc. Expression du visage, non, masque et joueur, non.
D'accord. Ah, non, attends, est-ce que tu peux faire un peu mieux? Non, t'as pas mieux? Pur. Ok, surprise. Surprise. Yeah. Bon. Il n'y a pas de grand changement de maquillage, quoi. C'est... Voilà, on va rester son noble cargeur. Attends, on peut faire comme ça, attends. Ah non, on peut pas, dommage. Ah, dommage, dommage. On va faire comme ça. Non, dommage aussi. Faire que comme ça. Je sais pas si ça rendrait bien comme ça. Noir et blanc, attends, j'ai oublié la couleur. Oh là 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 là. Noir et blanc. Ou alors, on va faire une autre couleur, tiens. Un peu plus volumineux. Celle-là, moi, bon. Je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux. Luminosité. Je m'attendais à mieux. Donc, on va remettre l'image à 50. Ça, un peu plus. Voilà, 50. Du coup, toi. Donc, on peut pas te faire mieux comme ça. Attends, merde. J'ai éteint le shampoing. Excusez-moi. Voilà, là, c'est droit, vraiment. Attends, on peut pas aller un peu plus bas là. Les... Non, là c'est levé, là c'est descendre. Ok, il faut que je me prenne aussi à faire les touches, moi. Qu'est-ce que va te mettre, toi? Bleu, 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 bleu. Oh, ça fait ouais. Allez, prenons ça. Bordure, j'ai pas plus grand. Noir et blanc, qu'est-ce que ça fait? Désolé si je reste autant là-dessus, autant longtemps là-dessus, mais je cherche une belle couleur, un truc qui rend bien. Un truc qui rend super bien. Ouais. Peut mieux faire, peut mieux faire. Allez, on va choisir celle-là, allez. Courage, voilà, allez, c'est bon, j'arrête de vous emmerder avec ça. Alors, on continue. Ah, vraiment, je suis en train de faire de tellement de belles prises. Bah, en même temps, c'est la fin, quoi. Je veux dire, pas une meilleure fin, quoi. Pas une meilleure fin avec sans photo, quoi. Donc, il y a une deuxième, trois personnes. Deux personnes de plus. Avant, il n'y en avait qu'une. Et il en manque une ici, encore. Dommage, je crois qu'il faut que je fasse plus de quêtes que ça. Mais bon. Mais putain, il m'a empêché de tirer, quoi. Mec! Un peu trop bas. Défendre le crapule, il défendre madame professeur. Non, un peu trop bas. Voilà. Là, c'est un bon angle de tir. C'est un 26? Ah non, ça se. Oh, je sais pas qui c'est, attends. Un ravageur, ok. Avec ça, c'est sûr, avec les trucs corrompus, c'est. Ça, c'est le rouge, donc ça enlève l'armure un peu, l'armure. Mais ça les rend très très fort. Donc il n'y en a plus pour l'instant. Ils vont revenir, ça c'est sûr. Hein. Mais il manque quand même une personne, ça me gêne un peu. Mais bon, ça va pas. Aïe! Non mais dis donc toi. Ah, je l'ai raté, oh là là. Oh là 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 là. Par contre il a aucune chance. Hein. Oh c'est juste pour un scénario. Hein. Il marche comme ça. Putain. Putain, pourquoi il me tire que sur moi? Il n'y a pas que moi ici. Hein. D'ailleurs c'est qui est là d'ailleurs? Avant-garde, briseur, ok.
Ah, d'accord. Il attaque. Je bouge. En faudrait plus, quoi. Allez, un peu plus haut. Ah, bah voilà, là, ça donne déjà mieux, là. Voilà, bah voilà. Ils sont là, eux. Il n'y a pas de mur ici, vous pouvez venir, hein, les mecs. Hein. Même il n'y a que moi qui existe ici, mais... On peut pas venir si vous voulez. Hein. Ah, il y a une mec ici. Je vais contre quelqu'un. Non, mais dis donc. Une accalmie. Mais ça va repartir. Oui, bien sûr, oui. C'était prévu. C'est la guéguerre, attends. T'as la carte de cette région? Ouais, t'as la carte. Alors, elle est ici, ok. Ouais. Alors, celui qui fait ça avec un arc est très fort. Non, vraiment, allez, on va essayer. Ah. Aux arcs. Je vais régler ça très vite. Non, vraiment, c'est... je crois que ça va être impossible. Oh là, j'arrive même pas à toucher ses points faibles. Ah, il est tombé. Ah. Ah mais non, mais toi tu m'empêches de l'exécuter, toi. Non, esquive. Ah, dommage. Il est pas encore mort. Ouais. C'est tout à fait normal. Hein. Oh là là, lui, il me fait mal. Il me cherche depuis tout à l'heure. Hein. Non, non, esquive. Il m'énerve depuis tout à l'heure, lui. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est ? Le sérum, je suis tellement désolé. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon camp, toi ? Alors. Elle qu'à pas être là, quoi. Ce gros tas de fumier, là. Oh, il l'a esquivé. Voilà. Oh, 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 oh. Ok. Déjà, toi, du 1, t'es mort. Et de 2, tu n'as rien à faire ici. Voilà. Bon, toi, par contre, là-bas, hein, j'ai pas le choix de t'éliminer une arme. Ah, quoique, j'ai quand même une arme qui tire à longue portée. J'ai oublié. Ah, juste parce qu'il y a des missiles qui font ça là. Ah, je crois que je l'ai... Ouais, c'est la poussière ça. C'est la poussière. Hein. Ouais, elle est déjà bientôt morte, quoi. Fait. Mais poussez-vous les pigeons là. Vous cassez les noises là. Mais pose-toi. Mais pose-toi, nom d'une pipe. Il va pas se poser, il va pas que je l'aiguille. Non, non, non. Aïe. Non, mais arrête. Ok. Ok, merci. Aïe. C'est mal. Attends, je vais acheter quelque chose, voilà ça. Je vais utiliser les... Aïe.
3, il reste plus qu'une fois. Voilà. Ah. Bon, vous là, vous arrêtez là votre connerie là. Oh là là, il est esquivant tout. Merci. Mesdames, messieurs, bien. Ah là là, là 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 là. Il y en a un autre là, non? Oh là là, je sais pas où il est. Ah, dommage. C'est qui toi? Je vais t'avoir. J'en ai affronté 6 hier pour des cas de pacotille. Ça touche. Allez. Quoi, j'ai raté? Non, c'est bon, je pense que non. Il est mort là, non? Ouais, il est mort. Ok, mais ça on peut les affronter eux deux si tu veux. Attention! C'est là qu'on meurt, la fin. Non, je rigole. Aloy ? Aloy ? Aloy ? Teb. Parle à toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Ok. Oh bah c'est bien, ça m'a donné des bonbons. C'est cool ça. Wow. Il faut que j'accélère. Oui, il faut que t'accélères, mais... Par là... Aloy, vas-y, on les attire. Vous allez affronter le véritable soleil, démon de l'ombre. Ah, comment t'appelles, Béat? J'ai oublié ton nom. La vraie. Je me concentre sur le jeu. Alors, est-ce que c'est bien là? Oui, c'est bien là, on voit la tour là-bas. Parfait.
punaise, sur rue, gros. Aluki, ah, Aluki. Je n'ai pas encore épuisé tous mes. Ah oui, c'est celle des, qui fait les parties de la chasse. De. Comment. Aïe. La zone de chasse, là. Épanoui. Ne refuse jamais. Un défi. Repose-toi, chasseuse des glaces. Voilà. Donc c'est là-bas. Super, il va y avoir une cinématique incroyable. Que tout le monde va se réveiller. Mais pas. Bah, on se réveille, quoi. Ils vont pas foutre le bordel, quoi. On va juste se réveiller, quoi. Parce que là, pour l'instant, la tour est. Mais... Ça a commencé. Hadès lance la transmission. Bonsoir. Une photo, non, pas. Okay. Et bah oui, ça mange le végétal. Hein. Non. Biomasse activée. Ok, on y va. Si Hadès a activé le signal, il a dû franchir les défenses. L'avant-garde des reines. Il faut que j'arrive là-haut. Et bien sûr. C'est un grand dommage quand même qu'on peut pas avoir des machines qui volent et on peut pas y monter dessus. C'est dommage. On peut pas voler avec. Non, je crois qu'un un grand nombre de joueurs qui voulaient voler avec des machines, je pense que non. Bon, on va plus l'avoir. Le tour de mon écran, cette bête de chacal. Il faut que je continue. Allez, je savais que ce serait pas facile. Je ne lâcherai pas. C'est ici? Non, c'est ici, il faut monter. Ah là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait le mode ultra. Ça me manque un peu, tu vois. Bon. C'est à l'œil. Mais oui, je suis là. À peine écrit mon nom. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Oui, oui. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. C'est mon combat. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, non? Bien sûr. Grive et Faucon, c'est parti. Mais sur elle, elle remplace l'autre là, comment elle s'appelle? Je n'aurai plus l'occasion. La chaise Sona, non, elle voulait pas du tout combattre avec nous. Hein. Elle voulait rester. Oui, non, c'est là. Voilà. Du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait là-bas. Je suis un peu con là. Voilà. Juste pour ça, ok. Juste pour ça. Allez, on y va. Bonsoir Hadès. Pip. J'espère que ça t'a fait des chatouilles formidables. Accueillables. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Ok, ok. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte.
Ah, une grosse machine à battre. C'est vrai. Donc, est-ce que tu connais mes points raisonnables? Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, je te jure, j'ai pas dit ça. Je te jure, j'ai pas dit ça. Donc, on a 12 minutes pour. Non, il manque la fin du monde. La fin du monde extérieur. Donc vous voyez, ça fait 1200 dégâts. Voilà, 1600. Oh ouais, il a détruit mon bouclier. Mon bouclier de roche. 1260 dégâts, c'est pas mal. Voilà, ça c'est détruit. ...1260 dégâts. Ah, là j'ai pas tiré assez fort là. Donc vous voyez avec l'arme ultime, avec les armes ultimes, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait ça, hein. Hop là, un coup. Hop là. Tu vas mourir, toi. Non, franchement, c'est pas mal. Je suis pas. Je suis pas contre ces armes ultimes. Ah, ben, ils sont pas. Ah, il manque son canon, ok. Par contre, je sais pas où il tire. Il se passe moi en tout cas. Et bête mort, Rogue. J'espère que tu pourrais faire un petit effort le truc là. Attends, qu'est-ce que tu peux nous dire cet objet? Ah, attends, il y a un code, attends, il y a un truc là. Il y a un truc qui peut nous dire. Alors, FA module dans le traitement quantique, alerte présence d'une intelligence artificielle non active. Alerte intelligence artificielle, notamment Turing 10. Alerte connexion avec le pôle de transmission. Waouh, c'est quoi ce truc? On peut aller là. On peut aller lui parler. Enfin, moi j'ai 9 minutes tranquille quoi. Et j'ai juste à faire un tir dans ces trucs là. Il est mort. Hein. Et d'ailleurs, il bouge même pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est en mode repos. Ah si, si, c'est bon. Il bouge. Donc voilà quoi. C'est aussi simple que cela. Et ils vont dire finis-le, finis-le. Ok, je finis. Je vais finir votre truc. Hop là. Déjà avec ses parts, ça fait déjà mal. Encore un petit coup. Je vous laisse les mecs. Vous l'avez mérité. Je l'ai fait tellement de dégâts. Qu'il lui faut juste un petit coup. Aïe. Ça va pas non. Là je pense que je peux lui mettre un petit coup. Ah j'ai un point de compétence en plus. Ok, on va le mettre tout à l'heure. Ok, ok. Je veux juste mettre ça. Mais est-ce que ça en vraiment la peine juste pour faire un petit truc? Ouah, ça fait mal. Non, je la bats pas le démon. Je vais récupérer ça, moi, déjà. Voilà. Non, attends, il va pas me. D'accord, attends. D'accord, modification. Ok, j'en ai ces deux là, après on verra ça tout à l'heure. Peut-être pas après, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc maintenant on peut l'analyser, mais on l'a déjà vu donc c'est bon. T'as fait une tête, fait une gueule, waouh. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade.
Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Plus de corruption. Voilà, on l'a détruit. C'est beau. Attention. Je t'ai vu, hein. Ouais, un petit câlin. Ouais. On a gagné. Youpi. Février 2000. Vraiment désolé, Gaillard. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors, comme je disais, c'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Bonsoir, le petit cafard. 100 ans, au moins. Question, quel âge aviez-vous? 6 ans. Tu veux faire un petit tour avec moi? Viens avec moi. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Voilà. Et après, j'arrive tout de suite. Elle m'a emmené dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts. Parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand bain. Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit: Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit curieuse et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Et c'était moi. Aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci.
Nous reprendrons demain. Bah voilà, c'est pas besoin de reprendre la manette. On a fini le truc, donc c'est bon. Donc en fait, Alain, c'est une humaine qui est en robot qu'on l'a construite pour qu'elle sauve le monde, tout ça, quoi. Même si le monde était déjà sauvé, d'ailleurs. Hadès a foutu le bordel, quoi. Tout simplement, le scénario est comme ça et est aussi simple à ce point-là. C'est vrai qu'elle est très curieuse. Bonne analogie de toute l'histoire de pareil avec tout le monde. Elle fait les choses très bien. Bon, en tout cas, c'était cette dernière. Dernière mission avant la fin. Même si je veux pas vous dire où sont les derniers trucs. Comme ils sont. Y en a, les fleurs du métal, il y en a pas mal, il y en a 30. Il y en a deux qui sont cachés. Mais je l'ai réussi à les trouver, hein, bien sûr. Hein. Avec quelques solutions. C'est quand même très difficile à. Et en plus, il faut le voyage doré, là, le lit doré. Et moi, je l'ai. Mais s'il faut de la patience. Hein. Il faut le temps que ça charge, tu vois. Et je ne les ai pas tout récupérés. J'aurais pu le faire ça aussi en live, mais bon. Tous les trucs qui m'ont passé. Voilà, ça c'est bien. Donc on a fini Horizon complètement, le niveau l'épisode 51. 51, ça fait longtemps, oui. Là je suis sur l'ombre de la guerre. J'y recommence l'histoire, tout ça, et tout se passe très bien. Hein. J'ai les unités légendaires, les orques légendaires. Je sais que c'est du tout pas le jeu, parce qu'on est en Horizon Zero Dawn, mais on parlera peut-être la prochaine fois. C'est juste pour vous donner quelques-uns et ça indique, tu vois. C'est comment je fais. Ce que je fais. Donc ça, c'est les croisés. Hein. C'est les creusets, ceux qui ne connaissent pas les creusets, c'est pour fabriquer tous ces conneries dans le champ de bataille, donc la carte. Sauf dans les territoires Nora, il y en a quelques-uns. Donc une version, c'est comment ça s'appelle déjà? Les veilleurs, oui, c'est les veilleurs et les brouteurs. Il y a deux versions, et les grands fonds, c'est ailleurs les grands fonds. Les chevaux, je parle. Mais sinon, c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas prendre le contrôle des machines. Genre, tu prends un oiseau tempête et tu voles avec. Pas forcément un pigeon, comme j'ai dit tout à l'heure, comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom, merde. j'ai oublié le nom. Je vais essayer de chercher, attends. Peut-être en n'y pensant pas, je vais le trouver peut-être. des oiseaux volants, comment ça s'appelle? Ah, je sais que vous avez le nom en tête, oui, je pense que vous avez le nom en tête. En tout cas, voilà, c'était une belle partie, un beau scénario, rien à dire, comme je l'ai dit hein, dans plusieurs vidéos, je pense. Je pense. Hop là, il est tombé. C'est pas grave. Ce sont les choses qui arrivent. Voilà. Toi, tu tomberas plus, toi. Même si le scénario est un peu court, mais si tu fais les missions secondaires avec les missions principales, ça te rapporte beaucoup de niveaux et ça fait plus de sens à la chose, quoi. Et sinon, le détail est parfaitement bien.
le détail, il y a rien à dire, tout est parfait, tout est en HD, tout est bien, le sol est bien, les photos sont bien, les robots, les machines, la destruction des machines, tout est bien. La gueule des machines, donc leur tête, le style des machines, Godzilla comme je l'appelle, le gueule d'orage. Lui il est stylé par contre, lui c'est un gros morceau lui. Donc lui et encore lui, c'est encore une grosse machine des ténèbres, donc une des plus fortes. D'ailleurs c'est le deuxième ou le premier, je sais plus. Parce qu'il y a aussi le oiseau volant, donc le oiseau tempête. D'ailleurs qui est un mon préféré parce qu'il vole aussi. Hein. C'est tant mieux pour lui. J'ai envie de dire, il est invulnérable, il peut recevoir des coups de canon. J'aimerais bien des choses comme ça, des petits combats entre bêtes quoi. Mais bon, c'est impossible malheureusement. Je vous laisse cette fin de cinématique. Enfin cette cinématique de fin, les crédits, tout ça, tout le tralala, les gens qu'il y a. Je suis sûr qu'il y avait mon prénom, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est pas grave. Vous ne connaissez pas mon prénom, mon prénom Irel. Donc, pour finir tout en beauté, ce jeu est bien. Voilà, je le dis, ce jeu est bien. Je vous le conseille si vous voulez jouer, même si ça fait un moment qu'il est sorti, tout ça. Je sais plus, il est sorti en 2016, 2017. Je sais plus, moi, hein, je sais plus. De mon temps, alors, faut que je regarde ça, c'est pas grave. En cas, je vous le conseille, même si ceux veulent jouer. Sinon, j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Bon, après, je crois que ça recontinue là. Voilà, on a fait le tour là. Voilà, allez, on passe. Passer, voilà. Oh, un objet qui est venu là, qui est mort ou morte, on ne sait pas. Peut-être que c'est une femme, mais on ne saura pas. Peut-être qu'il y en a un deuxième, peut-être que voilà. En tout cas, il s'en va. Je crois qu'il va voir Silence, ouais, c'est bien ça. Il va être dans le panier. On se demande pourquoi. Pourquoi tu fais-tu là? Okay. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? Ok. On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Ah ouais. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ah ouais. Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé. Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Ça, il est sérieux. Allez, commençons. Waouh, j'espère qu'on l'affrontera pas celle-là. Hein. C'est un gros morceau celui-là aussi, c'est. C'est la Mécropole que j'en. La Mécropole. Ouais. Alors par contre, je sais plus s'il reste des missions. Je viens d'y penser, les missions de Banuk. Oh, peut-être que je ferai ça en live si j'en vois un. Non, il n'y a pas de live pour ce soir. Quand même assez chargé. Bah juste regarder et après vous allez me liker toute cette vidéo. Tous, sans exception. Un chien. D'ailleurs, j'ai pas fait Lips, c'est pas mal, j'aime bien les trucs sans encombre. Comme ça, vous avez l'intégralité de cette vidéo, c'est pas mal. Parce que Lips, ça rend pas l'intégralité de cette vidéo. Ça fait, je fais qu'une heure de vidéo, donc une heure, c'est pas mal, une heure. Je vais faire qu'une heure de vidéo et c'est tout. C'est encore plus évolué leur truc, donc bon,
D'ailleurs, je peux même pas. Il faut que j'essaie. Il faut. En fait, je sais pas si vous entendez des petits bruits dans le. Quand je joue à des jeux sur ordi, donc. Command Conquer, vous entendez des petits bruits le début là. Le début du jeu là. Le premier épisode de Command Conquer 4. Non, vous avez entendu un petit bruit de son, tout ça, mais en fait, je parle, mais de toute façon, ça marchait pas de toute façon, donc je le savais, donc je le savais et je continuais, donc voilà. C'est juste pour vous prévenir que vous entendez. Oui, j'ai fait les stations de Locades et protégé le raid de renaissance de la Terre de Gaïa. Le monde à nouveau comme il était au début du chapitre. Ah bon, début du chapitre, il était comme ça. Attaque imminente avant la bataille finale pour Méridion. L'expérience est toujours acquise. Conservée. Ah d'accord. Bah en fait, je le savais en fait. Mais c'est pour ça que je l'ai rejoué. Donc on peut le jouer autant de fois qu'on veut. Et d'ailleurs, j'ai gagné un point de compétence et c'est très bien. Bravo. Si vous voulez lire chez vous, on pouvait. La faction Noé, je sais. Tout est disponible, donc moi j'ai déjà fini tout ça, donc confirme et bienvenue à Meridian. Et moi il faut que je charge ma manette, c'est vrai, j'ai oublié. Et on a un point d'expérience de plus, on a 100 expériences de plus, je sais pas pourquoi. On a 100 expériences de plus, et on a 2 points d'expérience aussi de plus, un point, juste un point. Et j'ai plus de points d'expérience maintenant, j'ai juste voilà, je sais pas pourquoi ils me font ça. Non, je suis toujours niveau 60. Non, il n'y a rien qu'à changer sinon. Voilà, j'ai toutes les points de compétences. Bien sûr, je l'ai déjà eu depuis un moment, tous les succès et tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Bien sûr, on se retrouvera tout à l'heure pour Command Conquer. Likez, partagez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.